C'est parti, chers téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision. C'est une grande joie, encore une fois aujourd'hui, de vous retrouver pour le compte de la FM Débat, bien sûr, cette émission qui étale toutes les questions de l'actualité, bien sûr. Paywa, puis journaliste et peu médiacrate essayent à co-débattre et de donner leur voix par rapport au changement et par rapport à la situation du pays. Et aujourd'hui, sujet ESA. Aussi, les gens, il y a le point chaud de l'actualité. On va parler aujourd'hui au Méni. Denis Kadima gagne son pari. La tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et encore, on va prendre la CENI reconnaît quelques défaillances dans le déploiement des kits. Et enfin, troisième sujet, nous allons notamment discuter, échanger, mais notamment analyser sur les défis majeurs qui attendent le président aussitôt élu après la publication de la Cour constitutionnelle. Ils sont là. Et sur ces plateaux, Ruth Dinonzei, Alain Goma et Fifi Kalumbwe, que je m'en vais saluer. Bonjour à vous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça commence déjà. Je vais aller avec le premier sujet et le premier notamment intervenant. Et il s'agit notamment, je disais, de Ruth Dinonzei que nous allons avoir aussi ses analyses. Une émission aujourd'hui entièrement qui concerne les élections. Je vais aller avec Ruth. Vous allez bien? Oui, ça va. Les impressions. Les impressions sont bonnes. Hier et avant-hier, surtout concernant. Vous étiez jeune, vous avez sillonné la capitale. Au moment où vous avez dit que 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 dites-nous un peu, en résumé, les cas qui sont bien. Je dirais que les cas qui sont bien, parce qu'il n'y a pas eu de graves incidents, nous avons dit que a voté, parce qu'il y a une liberté, il y a quelqu'un qui s'est présenté dans l'urne. À voter paisiblement. À voter paisiblement, mais comparativement à la cycle passé, Oyo, il y a eu quand même au lobby Ango, Kimia, mais quelque part, on a aussi attendu moins retard et à début à vote et autre chose. Yo Salaki constant, la Tessiko Salaki. Tout à fait, Elvis. Vous savez, il y a eu quelques irrégularités. Exactement. Mais déjà pendant la semaine, on a connu des embouteillages monstres dans la ville. Exact. L'effet pour la CENI à Kolongola, peut-être machine, et comme à Pointel, et comme à Pointel, à travers Kaka la capitale, ça a posé problème. Le mercredi, même mercredi, à vote, on a des machines, et comme à centre de vote. Et ça a qui déjà, moi-même, dans la salle qui constate, il y a un, parmi les centres de vote, Angili par exemple, il y a une école primaire, il y a un point, il y a quartier 1, il y a catholique. Là, une semaine avant, il y avait toutes les machines qui gardaient. Quand on a la machine, on a pour que ne pas dispatcher dans d'autres centres de vote, mais il pose à qui moins retard. Mais après une heure, vers 7h30, l'opération avait débuté. D'ailleurs, moi, j'étais la première électrice dans le centre où on a la Zalaki. Et on va aller avec la première question, déjà avec notre sujet. Denis Kadima, pari gagné par rapport à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Il a tenu, est-ce que finalement les élections s'est tenues dans les délais constitutionnels? Vous, en tant que journaliste, quelles sont notamment votre analyse par rapport à cette faisabilité, mais notamment à cette réalisation tenue par Denis Kadima? Oui, la réalisation a été tenue, les élections ont eu bel et bien lieu. Moi, je pense que ça doit interpeller la classe politique congolaise. Au lieu de s'agiter, de se livrer dans des spectacles, batalara les vraies questions des fonds. Nous avons vu les acteurs politiques confirmer haut et fort à la télévision qu'il n'y aura pas élection. D'autres même sont allés plus loin jusqu'à dire que s'il n'y a pas élection, le ciel tombera. Mais néanmoins, Denis Kadima Zaki continue à tenir la parole naïe qu'il y aura élection et il y a eu élection. Notamment, il y a eu élection, il dans a tenu. Il a dit, il a fait. Et on va prendre aussi Fifi Kalumbwe, le temps que Nazongi l'a prédinonzé avec la même question. Il a dit. Mais je vais d'abord commencer parce que Kozaki n'a pas centré les votes. Au Tambolaki, d'ailleurs, je vais signaler avec la CNDH comment les choses se sont passées, surtout. Monitoring n'a pas centré des votes. Misu, Matoi, Nabino et Molakini. Bon, merci beaucoup, Elvis Miti, pour la question. Par rapport à la question, il y a une
Non, mais moi, non, bandana, nous coupons sa bisso. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Naba centre de vote et c'est capable de kaki. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et par rapport à la faisabilité, est-ce que le centre de vote est de kaki correctement? Oui, merci, Elvis. Mais par rapport au centre de vote, j'ai dit aussi qu'il y a un problème d'éthique. Hein? Ok. Nenge, Tolobaka, Gombe, Nenge, Tolobaka, centre-ville, Nenge, Tolobaka, cité, Nenge, Tolobaka, Nani. Je pense que les choses peuvent tambola qui n'a sans soin. Comment parce ça? Que, comment ça, on avait commencé la ronde à, au collège Sainte-Anne. C'est là même que le président de la Sainte-DH avait comment, rempli son devoir civique, moi également. Mmh. En tant qu'observateur, journaliste, j'étais accrédité. C'est là que nous avons voté. Tout était normal. Les gens étaient à la ligne. Ce problème des machines, je ne crois pas que là-bas ça s'est posé. Parce que tout le monde votait normalement, ça marchait normalement. Nous sommes en 30 ans qu'observateurs, même les gens qui étaient à la ligne, quand on dit que les observateurs sont arrivés, arrivés à l'heure et... Tout avec comment? Parce que c'est au combat qui va à 11h. Exactement. 11h, tant que comme il y a un bureau, nous sommes sous Tokuta qui déjà la 53e personne, 54e personne, 55, ça nageait comme ça. Donc l'élection maintenant qui est bien. Et puis calme, Moutao, le bazar qui Moutao dispute à Zaté. L'observateur, il va tiquer le son direct au côté, c'était bien. Même moi également, na, Athénée de la Gombe, c'était aussi pareil. Kuna Tokenek, Kokuta déjà, combien il y a 200. Même les électeurs, bah, ça qui dit, bah, problème exact. C'est vraiment impatience, hein. À côté, on est venu sur le gaka, à dribbler, gaka, taille qui s'y met, à l'égard, il y a les calbos. Jusque-là, il n'y avait pas de problème, c'est qui est sûr. Mais tant que bandit au côté, on est founa, et c'est quand on a bandit le moment, on va gomber sans travail. Ok, et voilà. Mais tant que moi, on a moins problème, on est venu comme banda. Place Tokendaki, le témoin, bah, ça qui n'a même carte sur Tokendo, on a peine à. La santé. La santé, la founa. Afuna, ok. Saint-Anne, le centre de Gombe, il n'y avait pas de problème. Même le témoin, Bazaki n'a pas de carte. Le problème est commun dans la Founa. Le problème est que nous avons fait la Founa, nous avons Gombe, on avait géré ça. Le problème, c'est quoi? Même les candidats eux-mêmes ne se sont pas préparés pour ces élections. Tout le monde voyait l'essence de report, tout le monde voyait l'essence de ne pas organiser ces élections. Voilà pourquoi Kanima a sali que pour certains, c'était une surprise. Mm-hmm. Je parle par exemple de cartes d'accréditation. Pour nous, les journalistes, il y avait la photo, il y avait la signature, tout qui, ça prouve que ça vient de la CENI. Mais jusqu'à ces jours-là, sur place, les candidats sont là en train de remettre les cartes aux témoins. Nous avons un désordre. Tes cartes en gros, mon mot qu'on va commencer à photocopier pour créer. Ils ont compris après que le nombre de témoins font partie du nombre d'électeurs. Donc, autant vous avez des témoins, autant vous avez des électeurs. C'est comme donc, par irrégularité, au salon de l'élection, nous sommes au colon au candidaté. Nous sous-faisons la côté à la candidat. Mais nous avons quand même su. Parce que c'est préparé qui était dans le par rapport à l'accréditation. Madame Rita Banda qui n'est plus qu'accréditation. L'air, on a coûté la première fois que nous avons été même que nous avons bandité. Mais cette accréditation-là, ça va de pair des journalistes et des observateurs et témoins. Mais nous même même mercredi, quelqu'un m'a appelé. Est-ce que ça, tout le monde est là, témoin à moi qui. Tant on a qu'un peu dans le centre, on a qu'écouté le bateau, on a 400 photos, 100 lignes, la carte, on a fait ça. Donc, la carte, on a fait par exemple 100 ou même 500 cartes. Il y a qu'à photocopier pour que nous soyons comme un témoin. Dans le centre, le candidat, Bazali, on a négocié, on a fait autant comme un témoin. On a fait autant, on a fait ces cartes, on a voté comme un témoin. Alors, cet aspect des choses, on a fait certainement pas chef au centre, on a découvert qui est bon. A changer système pour bah témoin on a voté à ce sous même carte naïe à quel ensemble on soit qui pour voter on a chef à centre bah lobby va expliquer que même président CNDH bah témoin de moi il va monter de bon bah témoin attend bah mon émission bah bah vous témoin bah compte bah vous observateur bah compte et consort tant que chef président CNDH à solo il a président à centre bah vite il va monter au compte bah ensemble ça non sauf que ici chez nous les témoins vont voter à la fin. Alors dans le cycle passé, généralement, on va voter dans le Rwanda et après, pourquoi alors on a dit que l'électeur, le nombre de témoins et le même nombre d'électeurs, tous les électeurs au Bazaki, c'était des témoins. Tous avaient les cartes de témoins. Donc, on a voté pas plus, on a bien qu'il votait sous côté Moussous. Pourquoi le Bazaki, d'autre part, Manigance, il y a un candidat. Candidat, c'est pourquoi je dis que les élections ici,
ici, hein, quand on parle d'irrégularité, on ne va pas tout coller à Kadima. Les candidats, il y a quelque part la responsabilité à la candidat aussi. Ne se sont pas préparés pour ces élections. Ma candidat, Bango, mon va se préparer. Tu es mis pour se préparer pour ma campagne, ma contestation. Mais sous pour se préparer pour la contention et autre chose. Ma contention, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dénoncer, on va dire, 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 on va. Mais candidat le lui qu'on a monné si au défense engagé a tindi ba tout la na. Mais on retenir quand même quelque part wana parce que bon je vois qu'il tend et a aussi une na président à CNDH. Il y a eu aussi situation moro peut-être qui déplorable liste bah comment on a bah liste ben électeur na ba différents centres de vote. Est-ce que bon meka qui un peu kota la kawana na ba bisika bolika qui. Ces problèmes là c'est pourquoi j'ai dit ces élections n'a qu'à ces irrégularités. Il faut aussi mettre les problèmes d'ordre logistique. Oui. Les problèmes d'ordre logistique. Un deuxième problème vient de s'ajouter. Le problème d'ordre logistique qui s'est posé depuis même l'obtention des cartes d'électeur. Vous savez, ma carte d'électeur, on est posé un problème à écrit et mon anaté. Ma machine, on va bander la rali bosso pour enrôler tout. Bateau va s'enrôler à l'avant. Enregistra ka ma combo anaté. Il y a autant de qui n'a deuxième machine. Même dans l'opération, il y a obtention, il y a duplicata. Il y a duplicata. Le même problème s'est posé. Nous sommes sortis pour mettre ces machines. Tata combo nous connais anaté. Pour bon, on va s'enrôler qui n'a pas machine. Vous en comprenez. Donc, bah, problème, il y en a, bah, problème, c'est ça d'ordre logistique. Place, on a dit, peut-être recrutement, puis il y a bah, tout, une maîtrise, il y a usage, il y a ordinateur. Sans aucune intention, il y a oui, sans aucune intention, j'étais opprobre sur le président de la centrale électorale. Mais est-ce que selon Fifi Kalumbo, il faut réfléchir que, comment on a un problème, il y a question logistique, bah, problème, il y a recrutement, il y a bah, agent opérateur informatique, il y a CENI, et comment on a eu l'équipe dans le centre. Généralement, la grande partie, il y a question, il y a problème, il y a la responsabilité à même. C'est vrai que Balbaka, il n'y a pas de mauvais troupes, il y a toujours des mauvais chefs, exactement. Oui, mais il faut savoir que Kadima n'a pas le temps de faire les castings, il y a le pouvoir était décentralisé. Et vous savez comment les choses se passent. Si on va payer au COP, on va payer au Chida à recrutement. Au bout de temps, on va compétence, ça va tout. Les premières réflexes à l'année. Moi, je suis allé à Yaka. Moi, je suis allé à Yaka. Il y a un pourcentage. Au travail, la seigneur, au cas t'es dans combien. Vous comprenez? Cette histoire-là aussi existait. Et surtout qu'on savait que les salamoussales informatiques, ma casse, ma cassité. Parce que même les gens, tant qu'on continue la machine, il n'y a pas grand travail. Il y a un mouton où, mais on a à apprendre à les athées. Comme le téléphone. Et ça, comme le téléphone, le téléphone est un peu compliqué. On les a tu as pris papier, côté, et puis on dit qu'on a mis, donc c'est vraiment facile. C'est dans ce sens-là que Oyo va désigner qui va recruter tout. Moi, j'ai niveau où il y a mauvaise personne qui va travailler. Moi, je veux voir le deuxième niveau, c'est-à-dire les gens qui ont recruté, les gens à qui on a décentralisé, parce que c'est mon pouvoir, il y a pour recruter. Ce sont ces gens-là, ça l'est peut-être complaisance, ça l'est peut-être n'a récompensé tout le monde, n'a ça la boue. À ce niveau-là, peut-être que poser problème. Oui, ça dit que machine est comme peut-être aussi, même si mon chef de centre d'État n'a pas payé sa voix finie, place à ma béton à Calais machine. Dernière question, merci beaucoup, machine et Calais. Machine, monsieur, c'est Calais qui s'en fait pour voter. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Dernière question avec Fifi Kalumbwe, merci beaucoup. La dernière question, il s'agit notamment Isaac. Finalement, Denis Kadima sur Paris a organisé l'élection dans le délai. Mais est-ce que si Fifi Kalumbwe peut se dire, au-delà de Nyoso, nous avons dit ça ici, on a peut-être mis devant un défi, Denis Kadima qui va la paix impossible. Aujourd'hui, Rocky Kozala, d'accord que nous avons connu de meilleures élections dans le délai. Quand vous parlez des meilleures, ça sera difficile de les dire parce que c'est une œuvre humaine. Oui, ça c'est vrai. Mais nous avons déjà connu quelques cycles RDC, Zassou, et ça déjà exemple par rapport à Pays Moussou, par rapport à... Et puis il faut savoir, nous avons connu quelques... Nous avons connu trois cycles précédents qui étaient aussi émaillés toujours directement. Exactement, ça ne manque pas. Et au-delà de ça, ces cycles ici, il faut les dire qu'Adima, s'il a respecté les délais constitutionnels, c'est vrai... Bon, la question est posée peut-être parce que Tokanissa est un peu précipité à cause de la Makambo aujourd'hui. Non, il y a un avantage. Moi-même, je suis
même parmi les gens qui proposaient ce report. Par rapport à la tenue, je remercie même parce que la journée de mercredi a existé. On pensait que ça n'allait pas exister. On pensait que ça serait le feu, tout le monde, mais sinon ça existait. Mais par rapport, il y a tenue pour parler de meilleures élections, je dirais, et ça, œuvre humaine, moi, tout le monde, Les cycles, plus c'est au sein de cycle, plus c'est ça peut se différencier par rapport aux circonstances et par rapport à la politique également. Par rapport à l'expérience aussi. À l'expérience. Et aussi, chaque cycle, c'est normal de connaître la perfection. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même personne qui fait deux cycles. À chaque cycle, il y a toujours changement. Quand la personne, le président qui arrive pour organiser les élections, il faut qu'il s'imprègne. La situation générale et tout. Mais particularité sous Paka de Mezanine, na côté bien été, mais je suis en train de comprendre quelque part aussi, il avait dit. Vous en avez intéressé, oui. Basala conseiller communal dit. Mais il y a Baki Samélié de Soussou. Moi, je pensais que tout est posé à la mars et autres. Tant le temps de calendrier, c'est aussi combiné dans le cas de Banine, il y a scrutin combiné le même jour. Le 20 décembre. C'est que Moussa n'a pas été. C'est par là que je voyais que s'il pouvait être clair et courageux, demander moi réforme au Renan pour que Asa la calme à organiser ma bille qu'on a eu normalement. Mais il y a le col à Pacha qui y est, qui nous bat l'inaïe et qu'on sort, il tient à le respecter. Le délai constitutionnel et salami. À la qui c'est moi en fait. À Sali, il a dit, il a fait. Merci beaucoup, il a dit. Mais c'est une œuvre humaine, on ne va pas dire que c'était zéro, on ne va pas dire aussi que c'était 100. Il n'est pas Dieu, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Fifi Kalumbwe. Nous allons prendre Alain Goma. Maloukou, Tchangou et Nego appartenir Nayo par rapport à la tournée. Essayez un peu de nous débriefier. Qu'est-ce qui a été là-bas centre de vote? Oui, merci pour la parole. Je pense que qu'est-ce qui va arriver le mercredi 20 décembre? Enfin, c'est arrivé. J'ai sillonné beaucoup de centres dans Tchangou, Massina, 3 ou 4 centres. Je suis allé à Djili. J'ai fait Maloukou, le plateau, et puis Nayo Soukanakimbansé qui est Nansel. C'est vrai que tout le monde a des trucs à déplorer. Il y a de ces centres qui n'ont pas voté le même mercredi. C'est comme un centre na Maloukou vers après arrêt à Transco, quelque part là-bas. Machine est comme là à 17h, donc il n'y avait pas moyen de voter. On va revenir hier, jeudi. Mais par contre, il y a une école qui a commencé à recevoir les électeurs à 6h, c'est l'Epe Naboué. C'était à 6h et c'était bien organisé différemment dans le centre de Soussou-Malekagi. Et pourquoi? Parce que, au fait, logique, il y a la ramène la pour le musicaté. C'est-à-dire, Nagou, il y a Bilo Gwamou Zolia. Na Eleng, il y a Bilo Gwamou Zolia, Zolingo Yoka. Il a mamindé ni. Mais du fait que c'est chaud, au Lugo Sahani. Laissez-moi un peu poser une petite question, Alain Goma. Je reviens à ta question pour dire que le retard qu'a connu l'arrivée des machines, c'est ce qui nous a amené dans le Lengue au Tuzali. Je me suis posé la question de savoir, s'il vous plaît. La même, on pense que antenne, ils a peut-être ceux qui me connaissent circonscription, il y a Maloukou par exemple, il y a Séni, mais déployer kit côté Moussoua Bandi avant, côté Moussoua Sourectar. Il faut savoir qu'il y a eu aussi un autre problème. Les machines étaient configurées. Ok. Parce qu'on a précipitation, on a basé les machines à Massine avec Maloukou. Et la configuration, on a eu ça la T. Il faut que Zongi Sayangon et Sike Zaki. Peut-être pas quoi, quoi, oui. Voilà. Tant que Komen a Saint-Raf par rapport à lui, il est centre, on va plus centre, on va plus. Exactement. Tant que Komen a Saint-Raf, bureau, le saut au côté qui va se réceptionner machine à 2h. Pour la ligne, tant que Nini a ma machine, il y a besoin qu'on soit en attente. Voilà pourquoi on peut abandonner le temps. On va abandonner le temps. On va configuration. Tant que vous avez que la bango ma machine, ma bureau, elle a mis sous ma yéte, ma zate. Ma agent va yéte. Ma agent va zate. Tu vois, parce que c'est un peu comme ma agent va zate. C'était prévu qu'il va là dans le centre.
Parce que moi je connais quelqu'un qui habite Kassavou, qui a travaillé dans le collège à Lingua. Alors dans le moment déjà qui va là dans le centre, parce que nous tous les autres qui nous coûtent partout, non? Oui, il y a des véhicules. Et comme à n'importe quelle heure. Et comme elle est, on a 2 heures, on va jouer. Ami, on va jouer retard, on va jouer au Moussousou. C'est parce que tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que les amis des organisations, t'es allons c'est en train de dire. En fait, pour que nous soyons à la réflexion, c'est le retard qu'a connu l'arrivée de machine. Les pessimistes sont retard. Il y a un moment où on a une mission, mais c'est Denis qui a dit que ce qui a été prolongé, même d'une semaine. De non, c'est, c'est-à-dire quoi? Tant que nous avons le colo, ils ont béba, que les médecins ont une résolution pour continuer à vivre même pendant 10 ans, il faut amputer. Soit, tu acceptes de mourir une semaine après le diagnostic du médecin, soit tu acceptes qu'on puisse amputer, mais que tu vives 10 ans après. En fait, la logique, c'était ça. Quand vous allez dans Ngambo, il y a un indépendant, il se plaint. Quand vous allez dans Ngambo, il y a un opposant, il se plaint du scrutin. Est-ce donc, que répondre à la logique, condition sine qua non, où il y avait encore d'autres meilleurs qui n'ont pas pu céder. La logique, c'était quoi? Comme on avait déjà les machines, qu'on ne pouvait pas déployer ni on s'en a délai moko ou qu'on va permettre que n'a le bac à 6 heures on commence à 17 heures on arrête un report d'une semaine et n'a pas ça sur le côté parce que on n'aurait pas assisté à la vidéo on est toujours assisté surtout na TikTok quand tu essayes de naviguer sur TikTok c'est à chaque 2-3 vidéos que tu vois une vidéo où on est tenté de parler des élections. Qui n'arrange même pas l'organisateur. Effectivement. Donc, quand on était en train de tirer la sonnette d'alarme ici, ce n'était pas parce qu'on était contre Denis Kadima. Non. Moi, je sais qu'il y a des gens à la maison, par exemple, moi, on est opposant. On a posé une autre question. Tant qu'on a dans ce gaz, il y a violet, il y a mauve. Parce que Kabila devait partir. Toi, qui te tapes la poitrine aujourd'hui de l'IDPS, tu étais où? Nathalie a aussi sa classe il y a 2 ans, 3 ans à MC. Donc, tes parents te retenaient encore à la maison. Parce que il faut aussi sa classe. Mais nous, à cette époque-là, peut-être qu'on sortait des gens dans la rue pour demander à ce qu'il y ait changement. Le problème, c'était quoi dans tout ça? Le problème, c'était que le processus ne soit pas entaché de beaucoup d'irrégularités. Parce que ça va, ça sera porté à la charge. Discrédité notamment. Du président de la République. Le lobe à 3 heures, le belassou sous cadimate, comme une élection à Tshisekedi. Or, on pouvait éviter ça. Nous avons évoqué ici des problèmes de contestation. Ça, c'est encore rien. Aujourd'hui, on va commencer à afficher les résultats partiels dans le centre. Les 31. Et puis, c'est nous qui habitons sur la zone, nous avons fêté bien, Parce que pour la date, elle est 31 pour la publication des résultats provisoires. Est-ce que de part et d'autre, Kadima, en soi, bon, peut-être on a tout dit ici, Toloba Kiango, on a Oetali, financement, on a la question d'ordre logistique, Nanyon Soana. S'il vous plaît, oui. Il y a tant qu'institution et organisation, il y a élection. A qui quand même censé à Salayango dans le délai, comme il a fait. Il l'a fait dans le délai, oui. Le délai c'était quand? Le 20. Mais il y a des centres qui ont voté le 21. Il y a des centres qui ont voté hier. Le délai constitutionnel, selon lui, c'était... Pas selon lui, selon ce que nous connaissons, c'était le 20. Si on est allé jusqu'au 21, donc on pouvait avoir un report. Vous venez d'évoquer le retard après tout. C'est ce que je dis. Puisque étant de droit pour la Congolais... C'est ce que je dis. Si on est passé du 20 au 21, oh, bah, qui s'est sous Makelele, parce que la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous tenions sur la guerre, là, là. Mais est-ce que tout le monde dormait? Oui, les témoins, ça témoin. On dirait, moi, si on a 4, c'est la cour, quand tu as un peu le toit, à cela, il y a un avantage, il y a telle ou telle autre personne. Ma crainte, c'est que ces irrégularités, c'est une œuvre humaine. On ne peut pas avoir un truc parfait. Non. Nabasikle, ni on se trouve dans la main. Mais il y a tout, comme il y a moins accent, parce que nous avons quitté la date prévu qui était la date du 20 pour que certains Congolais votent le 21. On se comprend. Moi, je suis plus dans ça. Et ce truc-là va nous amener dans la contestation. Oh, tout le monde, c'est encore la chahut. Il n'y a rien. Le jour où la CENI va publier les résultats provisoires, je vous dis, c'est à ce moment-là qu'on verra que les candidats sont l'auto par la bimi. Moi, j'avais vu tel. Na minute, chacun de nous a une petite vidéo, peut-être séquence, mon cousin a mon téléphone. Parce qu'on ne sait pas, bon, alors, on a publié provisoirement, je peux gagner.
nous sommes en train d'aller dans une phase où peut-être demain ou après demain. N'a posé la question en réfléchissant, qu'est-ce que nous rapportent les élections? Il y a plus de preuves que la défense. Qu'est-ce que nous rapportent les élections? Donc, de l'œil constitutionnel, oui. Les sceptiques, comme moi, j'étais sceptique, mais quand même, le 20, j'ai voté. En Krenangayango, et comme vous aussi, là, pour Morosimba Savon, j'ai quand même voté. Mais la crainte, c'est le souci majeur, ce n'était pas qu'il y ait seulement vote pour vote. Mais le souci majeur, c'était que Nassimaya vote, on a que tout vivre peut accalmer. Ils parlent toujours des élections libres, crédibles, transparentes. Nassougaromba Baksarani, apaisé. Mais est-ce qu'après ces élections, nous avons un climat apaisé? Non. Il y a des voix qui montent de partout. Nous avons vu une vidéo où ils ont filmé partout. Dans ma machine à voter Nandaku, en train de voter pour la cause d'un candidat député. Vous comprenez un peu? Et toutes ces irrégularités, on a. Et Robimanani, la gestion de Mukonza Mboka. Oh, gestion de Mukonza Mboka, oh, biso toujours là, gaz. Toujours là, Massassi. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là pour salir le mandat du président de la République? Moi, j'appelle ça Biloko et Salami, Ezo Bébi, sa mandat de Mukonza Mboka. Parce qu'on pouvait éviter ça. Merci beaucoup, Alekouma. Là, on avait demandé une dérogation. On a dérogation, Potokoma. Tout ça et ça la manion ce jour mon con a même laissez-moi prendre d'abord Ruth Dimonzei. Merci beaucoup. Du moins j'ai dit comme disent les Ivoiriens, bon Kadima est garçon, il a quand même retenez votre souffle. Merci beaucoup. Nous avons quand même eu les élections le 20 décembre. Merci beaucoup. Retenez votre souffle. Nozong et Labino. Ruth Dinonzei. La même question se pose, mais notamment dans Angle Moussousou, puisqu'on parle d'élection, dans le centre des votes. Au Talisibiso Awake, situation est quand même apaisée dans le centre Siga Bozalaki. Mais une petite question, bah, la plupart se sont posées. Nga Moropé sur terrain, dans le centre, il y a des opérateurs, Yasseni. Parmi Bango, le Bia Lengoma, na Fifi Kalum Souba, qui déjà à partir des heures. Il observe qu'il y a un côté que la plupart, peut-être Bazala qui en a sans manger, même pas approvisionné, n'a maï. Pourquoi alors fallait m'envoyer ça à ma bongo? Ce qui réellement, au moins, la situation. Là. Oui, moi personnellement, j'avais constaté une lenteur hein, dans l'agent Oaza qui la vérification à carte d'électeur pour vérifier les noms sur la liste. Azaki n'a moins lenteur. Donc, on suppose que. Habilité administrative les a vraiment été. Ça aussi, on doit interpeller les agents Yasseni en dehors du bureau. On vous donne l'occasion de recruter. Pourquoi aller recruter les membres de votre famille? Oh, peut-être à Zan a marié les Yamakas. Mais peut-être c'est ce que Fifi Kalouma dit. C'est pas ce qui était sur le terrain, Bazala qui n'a pas quitté. Il faut tenir compte de la compétence. Voilà. Il n'y a pas de compétences, c'est pourquoi j'ai dit. Moutou Atali carte d'électeur à Monikomba Moutou. Aïe na ordre alphabétique à quoi retrouver Kombo Anati. A Baloussi page Moussous à Baloussi. Pourtant, l'opération de vote elle-même n'a pas pris du temps. Par rapport au cycle passé où on nous avait amené pour la première fois la machine à voter, et Zaki Mokoso. Mais cette fois-ci, ce qui Moutou a oumeli ces deux minutes. Na opération à vote. Mais sauf que opération y a un combo et pose qui problème. Donc recrutement, il faut que Seni a mekako autant la PNI. La question allez-y. Que Seni a poussé élection d'un jour. J'espère que Tolanda qui va vivre à Batunabat parce que processus électoral, tout le monde cherchait où loge les diables. Heureusement, je l'ai dit, heureusement que c'est les MIP le 20. Bah, Oyo, Bazaki ko luka ba reporté. Ce sont les mêmes personnes. Oyo, Bazaki ko sollicité. Bazaki ko affirmé. Haut et fort que s'il n'y a pas élection, le 20 décembre. Bazaki, les comptes à rebours avaient déjà commencé en janvier. Oh non, 900 jours pour le président sortant. Oh, bango batouana. Tant bako mina fait bako moluka report. Est-ce que Kadimala défitiste? T'as cela on a défité. Les responsables des partis politiques sont des vrais tireurs de ficelles. Sont au lundi bango buso population. Toko koya na mbeba. Yango photo fongola mais chaque fois qu'ils viennent avec leur message il y a koke na violence, nous devons refuser. J'aimerais qu'on réponde à la question parce que ça a dit. Non, na lingina loba avant que je ne puisse te répondre. Na ngana me retoucher point là lobby. Si la CENI aïe la latitude yako poussa d'un jour des élections de vote, c'est parce que d'abord mission d'observation électorale il y a Senko et CC avait sollicité qu'il y ait une solution par rapport au dysfonctionnement des machines parce que ils ont outils électroniques
y avait des caprices. Misou c'est un abat charge. C'est parce que ben quand misou c'est un courant. Et puis misou sous accessibilité ils allaient quitter. Vu qu'un jour avant, moi, tout ça, dans la saison pluvieuse, je suis allé à mon casse. Mais quand les gens m'ont côté, je suis allé à mon moto et comme on a quitté, ils ont quitté. Ils ont sollicité. On a vu aussi d'autres responsables de la société civile. Il y a aussi d'autres points sur le quoi on a quand même. Il y a des gens, oh, sur le côté, a fini candidat, et le candidat, tout le monde a s'est révolté. Désordre ça les maquis. Élection n'a pas centre ou n'est pas paisible. Yango ba accorda qui va un jour pour que ça. C'est pour ne pas le processus doit être consensuel. Quand ça batouane, soit il va pousser d'un jour. J'aimerais savoir pour Narite Dinozei, si ces derniers n'avaient pas demandé à ceux qui aillent pour suite opération un vote pour na Kadima na Seni bah oba voter te banga batika la bongo parce que d'abord les opérations avaient commencé en retard. Vous savez, moi j'ai aimé ce bon sens là. Non, je vais préciser par rapport à ça. Ils n'ont pas seulement repoussé ça par rapport à la demande des gens. Parce que nous quand nous avons commencé la ronde à la Seni, tant au Komakiku na basoina la Seni baba ki bako kanga bureau de vote jusqu'à ce que la dernière personne te prenne, que ça soit 11h de 6h jusqu'à 21h pour remplir devoir civique naïe. Et puis, bah, Momo, déjà, il était déjà 11h. Bah, si bah, Loka qui déjà va bah, retard à arriver en Chine, bah, problème de la courant, d'ordre logistique, comme je le disais. Ils ont dit ceci. Et si KO machine est commis retard, tout le monde, tous les centres, bah, ont droit il y a 11h de vote. Donc, c'est ni même Yemoko ce jour-là. Bazaki qui surveillait l'opération. Même quand nous sommes allés là-bas, il n'y avait aucune. Merci Fifi Kaloumbe. Laissez à ce que. On a dit Mme Fifi Lasseni a supervisé toutes les opérations. Parce qu'à 12h, 11h, rapporteur à Ecolobaker nous accordait. Avec le communiqué officiellement. Oui. Une heure après, c'est la SENCO. Il y a eu Mgr Chole qui est venu solliciter auprès de la CENI ces délais-là. La CENI a ça qui a grain à Mgr. Le processus doit être consensuel. L'inclusivité du processus. Et Luka Makamba, on avait même refusé ces bureaux ici parce qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Maintenant qu'on accorde un délai pour qu'il y ait la paix, pour l'intérêt du pays, ce pays est connaître ma drame. Il ne faut pas que le sang des Congolais coule bêtement. Bisous mon photo zonga asima, comme a chanté un musicien, tout zonga pe batu. Total asima, tout zonga batu. Batu bakou fi mingi, na ba marche, ba revendication. Tout ça parce que les politiciens ont annoncé un spectacle dans le théâtre. Bien que. Maintenant que la CENI a compris, à Yokimbela, il y a Baprela. Où est le mal si on ajoute d'un jour? À ça, là, on peut la graine à Emmout. Moi, je trouve que c'était sage pour prévenir le désordre. Parce que malgré ça, nous, déjà, nous avons un magasin. Au moins, nous avons un recommandé. Nous avons un militaire. Nous avons un poulet. Et quand il y a un stock militaire dans la chambre forte. Pourquoi? Parce que l'opérateur économique peut être un peu plus grand. Il y a d'autres même tokens qui ont voté. Nous avons voté déjà. Cette mentalité-là doit quitter dans les chefs des Congolais. Merci beaucoup, Ritnozé. Il y a une dernière question pour vous. Merci. Une dernière question avec vous sur sujet Oyo. Et vous ne pensez pas que Alain Goma, bien que répondre à le pourquoi, opérateur SNI, crier Nzala, Nama et Roumé. Non, ils ont leur salaire. C'était pas prévu à la ravitaille. Ils seront payés, bimbo on a bango. C'est un contrat, c'est précisé qui bien avant. Pourquoi baya golo bakenzala? Baya bisho ça là, on va te donner par 100 dollars. Merci. Précisément, on a laissé un pic, on a centre, un pic, on a l'emba. Parce qu'ils se disent, hein, parce qu'ils se sont prises à la population binobo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, même pas opérateur. Bimbo, tu es rendu bisoté binobo, ça a qu'il y en a bisoté avec des pilobi. C'est ce qu'ils disaient. J'ai vu un candidat qui. Ils m'ont dit moi au centre. Il a pris soin de ses témoins. Ah ça c'est le témoin, ça c'est sûr. Ce sont les témoins qui ont réclamé que Mathieu Bamouana va essayer de voir côté après 20 minutes. Les chefs des partis politiques basotin d'abord, quel est le centre de ce qu'ils ont voté. Une dernière question avec vous, Rudi Nanzei. Je disais, vous ne pensez pas que Alain Goma a raison, peut-être pour nous éviter. Je n'ai pas dit, vous pensez. Pour éviter la crise post-électorale par rapport à l'Union qui est arrivée.
Je répète ma question. Oui, vous ne pensez pas que Alain Goma, par rapport à Yaba, n'est-ce pas histoire n'y a retracé, n'a pas contrainte, n'a pas irrégularité n'y a pas Kouba qui s'ajoute moko, et là le lenga a ça la règle et moussous et koki comme même la crise post-électorale. J'étais répondu quand j'ai dit qu'on a crié ici un processus qui faisait un consensuel. La MOE avait sollicité que la CENI puisse accorder une dérogation à tous les électeurs qui désirent se rendre à la urne. Mais le bureau est fonctionné apparemment, pour une raison ou une autre. Bah, sollicita qui que la CENI a... Et la CENI l'avait fait. Soit qui CENI a salaki a moté, batoubanga y bazoka. Ok. Batoubanga y bakoufa. Moi, je pense que l'irrégularité, c'est normal, même aux États-Unis d'Amérique. Toi, Régissa, tu observes que l'irrégularité. Il y a des critiques après le processus. Mais pourquoi seulement la RDC, on veut chercher là où loge le diable? Tout ce processus est l'écart. Rien que dispositif sécuritaire, il y a police. Au Taliga, il y a déjà des choses au banc. Mais cette fois-ci, bien que c'était un jour férié, parce qu'ils étaient dimanche, contrairement à d'autres cycles, élection ça m'a dimanche. Oyo, ils étaient jour ouvrable, férié. Mais au moins, au temps où il y a eu, les policiers ont senti que c'était la patrouille. Mais au retour, les policiers ont été mis sur le téléphone. Ils ont été mis sur le téléphone. Ils ont été mis sur le téléphone. Mais cette fois-ci, au moins, Kimia et Zalaki. Bien qu'il y ait des irrégularités, tout le monde a monté. Mais si on compare à la tension, psychose, aux qui ont régné le jour des élections, cette fois-ci, au moins, tout le monde les Congolais ont été mis sur le téléphone. Ils ont été mis sur le il était libre de voter. Merci beaucoup. Il y a un petit cas d'électeur. Quand on va politicien, on va au gang. Ce sont les vrais autos qui ont été mis. Si on a un peu de temps, on va se rendre. Combien de candidats ont été mis? Vous acquisez trop. Tout ça, ils endossent. Vous acquisez trop les politiques. Ils sont méchants, ils sont contre ces pays. Merci beaucoup, Rudy Lonzé. Je vais prendre Fifi Kaloum, bien qu'elle est au quotidien un sujet à Moutali de Plaimont. Il y a des kits électoraux et on va en parler. Il y a notamment la question et des Plaimont, des kits privés, des individus qui s'est retrouvé dans la chambre, dans le village, aussi longtemps que le centre de vote est commis en retard. Même si on vote à 16h, pourquoi plutôt alors il y a eu cette différence? Les machines à voter, comment va un individu? Il y a certains points où Moutouka est combatté. Il faut utiliser les motos. Je ne sais pas. On suppose pas que braquer. La vie même, les vélos ont été utilisés pour le déplacement. Ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. Bon, ça, vous coûtez un mot de moi, il y a une année. Quand il m'a de son côté, tenait à ce que tout le monde puisse participer au vote. Il tenait à ce que les élections se tiennent le 20 décembre. Bah, il y a une machine. Il combat. Il y a un souci pour le PC et non rapport. Et tout est comme il y était. Alors, il y a une année. Bah, bien qu'on ait ça parmi les irrégularités, tout le monde. Oui, comment qui déjà, c'était jour des fêtes déjà. Bah, il y a une chaussure et coca. Une chaussure à son maquille et coquillotée. Aux oies et calolata. Donc on va toujours chercher la solution. Il y a malgré que ton droit est à banni. On a parmi la irrégularité. Moi, pas moyen, on a tout raté la COP à élection, raté. Parce que ce sont les candidats, surtout beaucoup plus de députés. On va se préparer. On a parlé de la campagne électorale ici, comment elle était froide. Bah, les députés vont bah, préparer la campagne, vont bah, préparer l'élection. Ils vont bah, préparer les nègres qui ont été en train de se faire. Ils vont bah, croire qu'il y a une élection. Je ne voulais pas que ça soit l'élection. Il y a ma B.
Je voulais que Kadima prenne son temps pour que Nyon soit ça. Tant que Nyon a annoncé à quel hôtel le finissage il y a ma travaux. Il n'y avait encore rien. C'était normal. Que Nabamba, par rapport au temps, tant que Nyon soit qu'il faut encore une semaine, il fallait passer quand même une semaine. C'est-à-dire que dans une semaine, on va ça peut manquer. Dans une semaine, on va pouvoir que Kotik a rabbiné calmement. Prenons toute la journée de dimanche. Les Aki a moule. Et si c'était une journée où les Aki qui déploiement, il y a matériel et qui. Donc déjà journée, on a sait que le matériel est salamment été. Quand il m'a rebatté que journée, moi, ils ont perdu, ils ont ces années, journée, moi, ils ont perdu. N'a cinq à tout ça, la taille 21 ans. Il y a le quoi, ça va tenir à checker le 21. Il y a un an, l'oba. Lui-même a déjà, et s'il va prévoir qui que Moutounions, tout le monde doit participer au vote. Moutounions. Ce qu'on a difficulté, autour de l'ordre logistique et au quota. Et donc c'est une difficulté qui est venue surprendre, par exemple. Dans le centre, nous sommes bandits déjà pour voter pour la machine Kati. Bah, peut-être 4-5 heures, il y a causé la machine. Toi, il y a causé la courée. Ce qu'on a électeur, on n'a pas voté. Voilà pourquoi il faut accorder encore une clémence. Pendant que la machine on a qui na liste déjà par bureau de vote au Falaki et recevoir ma électeur. Quand ici on a liste Moussousou ou encore la machine Moussousou. Comment est-ce que ces histoires ont été gérées sur le plan informatique? La machine à voter n'a pas de nom, n'a pas de liste. Mais chaque bureau est à qui. Non. Il ne faut pas dire que. Il y a un qui n'a garçon, on avait enregistré sur la liste 447 votants, mais ils ont voté 207. Oui, c'est normal. Parce que lorsque les gens se sont enrôlés, on a enrôlé 447 personnes. On appelle aujourd'hui des électeurs. Parmi ces personnes, il faut y baquer ma koufa bazali, il faut y baquer ma voter qui était bazali. Moi, je me suis enrôlé ici, dans la première rue, mais la voter, on a été. Mais je suis compté parmi ceux qui devraient voter par le bureau. Mais par rapport à ma carte d'accréditation, on a qu'on a voté côté. Vous comprenez? C'est qu'on peut pas. Oh, il y a un peu de soleil avec témoin. Tout le monde est devenu témoin. Surtout que les gens ont su que même les témoins, il faut les emporter. C'est-à-dire, on va dans la chambre, le coup, on a postulé dans la founa. Aïe, on a mis nos noms sur le côté. Pour pouvoir couper ça, il faut y aller. C'est-à-dire que quand on a déjà dans le centre, on a trouvé que ça là. Le nombre des électeurs, ils ont sauté. Le nombre d'enrôlés, il y a monté, ils ont sauté. Le nombre d'électeurs, parce qu'il y a eu déjà ces mouvements-là. Merci beaucoup. Fifi Kaloumboué, parce qu'il y a eu déjà ces mouvements-là. Alain Goma se prépare déjà pour la Copesa et Makanisi, et nous l'avons dit, le retard à déploiement, la CENI reconnaît qu'il y a eu des défaillances dans le déploiement des kits. Oh, puis on a retrouvé des individus ayant et possédant des ordinateurs ou encore de machines à voter, particulièrement ou encore bizarrement, dans le centre de vote, la machine des athées. Et une chose qui étonne encore plus, c'est que sur la base des données à CENI, il y a eu beaucoup de fusionnement où on ne comprenait pas comment est-ce que Mme Dagui gérait. Est-ce que c'est Ninde Aza qui est à la base parce qu'il a fallu à gérer de manière préventive toute chose bien avant ou parce que Aza technique, tout peut arriver au moment et à l'opération? Bon, il faudra qu'on réfléchisse ensemble. Machine, vous ne trouvez pas un individu à la membre de CENI Tenandok Ninde. Et l'obi fait qu'à l'oumbe, on est en train de réfléchir. On réfléchit aussi. À Kinshasa, le déploiement s'est fait par des véhicules des forces armées, des Kamaz. Avec des militaires. C'est ce que je dis. Bah Kamaz, il y a un monde où tu es déployé. Parce que moi, je vis. Bah Kamaz, il y a 11h, réseau Matakimbantek, je vis. Sécurisé par le militaire. Voilà. Donc, si on dit. Si on dit que. Ça serait, les machines se retrouvent dans le bandage où il y a un individu. Qui réceptionne les machines à l'arrivée? Bah, représenter la CENI dans la province. Bah, on devait ça. Bah, on devait déployer. Donc, s'il faudra retrouver les traces, c'est simple. Ils doivent revoir dans la feuille de route. Dans le bandage. Machine telle se retrouver dans un individu qui ont déployé Nambokawa. C'est simple. Je sors avec un jour un caméraman ici, tout reportage, bah il camite son niveau, il saute dans la caméra, mais caméra va qu'il retrouve un Nambokawa journaliste et y a chaîne, mon gros son gros ton parle. Banane babi magi na caméra. Alain Goma na Atibu. Caméra, oh, c'est-à-dire, tant ou désordre de ça, ça veut dire non.
C'est-à-dire, tout bazar, le porteur, il y a responsabilité. Mais pendant l'opération, on ne peut pas avoir cette explication. C'est ce que je dis. Mais ça, ça ne va non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, on n'aura pas dans le rapport à CENI, disons que c'est tel ou tel. Mais ce que je dis, que cette magouille-là a été faite par les personnes qui étaient destinées à acheminer les kits. Mais c'est quoi, maintenant que Babitain et Babi ont continué à isoler et compter le nombre de voix. Oui, c'est ça que je. Il y a un autre isolo. Apparemment. Ils continuent à isoler comment? Parce que les gens ont voté la bande à la grande satisfaction, peut-être, c'est par rapport à la vidéo qu'on a vue. Il y a Bato, Bakouti, Bazo voté. Mais ma machine, moi, tu monite. Oh, c'est ni à Kangite. Et ça, on va circuit mafieux. C'est ça aussi la crainte. Parce que nous, on a un CENI. Tant on a le bac, il fallait qu'il y ait pour ça. Quand on fait les choses précipitamment, on ne saura pas tout contrôler. C'est comme une équipe qui cherche à remonter le score et à chercher à avoir le but de la victoire. Vous oubliez les arrières, c'est-à-dire comme une tchapression l'icône. On a des façons de voir ça. La mesure du possible, comme gardien, il n'y a pas le gars qui nous pointait. La coup de pied arrêté, à bête à coup de tête. Mais vous oubliez que les arrières ne sont pas assurés. La moindre contre-attaque. Parce que Madame Maurice Aoutou-Goloba, les politiciens cherchaient à tout prix comment avoir de voix. Ceux qui ont écouté une ampoisika, pourquoi côté à douceur. À Kokota, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bâti campagne, mais qui ont gardé de l'argent pour ces opportunités. Mm-hmm. Pour lui, quand il trouve qu'on lui donne la machine mort. Na 2500 bulletins. Ah ben si déjà mental c'est 2500 voix. Bah ben, c'est venant à raison de 1.5 ou 2 points pour une voix. 65 000 dollars, il fait quoi? Il donne parce qu'il s'est dit qu'il a 2500 voix, assure. Ce sont les gens qui à coûter un abacop on a 4-5 qu'il a 20 000 dollars. Donc il se tape 15-20 000 voix. Oh il a dit qu'ils ont un circuit mafieux mais voilà au compte parce que ça bureau quoi c'est ni. Ça finira par rentrer. Bah, on sait un rapport, surtout que le PV final, les Salamagina, on te va rendre, puis il sera résultat, on a vu ça, il y a un pari sportif. On te va dire, Atali, Fissouana et Bimi, oh, on a eu un centre pour une j'ai 18 voix, a commis. Si quoi, Babylon, on te va dire, le Bela, qui est né à risquer à coûter un an, on a eu un commis au vivre. Mais, n'empêche, la CENI a coquille. Qu'on revenir dans Roland de la Babylone, qu'on a parce que. Mais il n'est pas réparé. Non, il ne va pas réparer, ça c'est vrai. Quand il y a une victoire avec un but forfait, l'arbitre est sanctionné, mais on homologue les résultats. La CENI, il peut arriver. Parce que moi, je me suis dit, quand j'étais en train de réfléchir sur ça, c'était hier, après qu'on a eu un reportage, j'étais en train de réfléchir. Toutes ces personnes qui sont en train de bourrer les urnes, c'est-à-dire, ils doivent aussi se faire un rapport. Il y a Ndenge à Lukuta. On comprend. Or, à la réception, si le chef de centre, Baza inclite la mafia, donc Ayebige, Bapesaginga, 20 000 fiches pour 20 000 électeurs. Quand ils vont compter les fiches, que Bamoni va fiche Moussousou, ils ont un surplus. C'est par là qu'ils doivent dénoncer aussi. S'ils ne dénoncent pas, ne place au monde à que Baza va complice. Est-ce que c'est facile pour nous? Non, c'est un travail dur. Mais comme nous voulons avoir du crédit dans le processus, Batoba, chef de centre, ils sont conviés au Sala Moussala. Ce n'est pas au président de la CENI. C'est vrai. Madame Fifi Aoutigoloba, Makamoussou, Togola Tissaroka a été. Pendant la Zara Trébi, ça c'est vrai. Parce qu'il se pose là, il se pose mille et une questions après la publication, qu'est-ce qui arrivera? Il a un nom de famille à préserver, il a un honneur à lui à préserver, et il a tout ce qu'un musicien lui avait dit, le peuple compte sur vous. Comme le peuple compte sur lui, la mesure du possible, qu'il commence aussi par coincer Bayaye, c'est-à-dire Bato Baza n'a c'est à l'obo qu'on aille, pour que Bamekako transmettre. Même à 60% la réalité de ce qui s'est passé dans les urnes, ça pourra nous mettre à l'abri de ce que tout le monde se dit,
la publication va résulter à CENI, ni ni au Tokoki Koyo. Merci beaucoup Alain Goma, merci. On va prendre Rudy Nonzei avec la dernière partie, mais notamment le dernier point, et il s'agit de défis qui attendent les héros ou encore les nouveaux aussitôt élus président de la République. On en parle avec Rudy Nonzei. Tout Betara Masolo, il y a... Comment est-ce que Mambo Gozala, est-ce qu'il y aura chaos, est-ce que le climat va apaiser, est-ce que le résultat va être démocratique, pardon, ma élection est démocratique, on ne sait pas, mais est-ce que le résultat est crédible, tout ça, mais on oublie aussi cette question, quel défi attendent les présidents aussitôt élus? Et Bamakamboza Mouébele, selon yo, généralement ou encore de manière un peu détaillée, pour Nayo, le défi majeur ni nous et la présidente. Merci Elvis. Avant la côte, on a un défi. J'aimerais dire que la population doit être très vigilante. Les politiciens, les ramener Bisso, Nassé. J'ai pensé que Bombé l'a à Alain Bal. Bon, la Bombé l'a mais c'est à partir de ma propos et Alain que je me suis dit qu'il faut que tout lancer un message. Voilà, nous faisons partie des médias où ils sont les plus suivis dans notamment, RDC. Ça, vous savez, j'ai vu les images d'une maman, il y a troisième âge, en train d'être tabassée. Pourquoi? Parce que Ayiko Bouré, ça m'a fait très mal. Nathalie Age et maman Wana, je me suis dit, la personne qui a abordé, courage ni na pese, motivation ni na pese, maman ou et point de mamoukoumba. Déjà, na Age na yaza sous na vigueur, ma caste, ya comme ma bulletin. Ce qu'ils ont soupçon, ou vrai, en tout cas, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons être très vigilants. Les jeunes surtout. Va manipuler Bissoté parce que la sensibilité réalisée ouais. Gagner l'élection à Meki par d'autres voix et s'imiter à Yakoluka moi na muninga po ebise zo eloko sala bu. En tout cas moi je pense que ba bazo landa FM débat et Sengeli boza mayele mbokeza biso mboke ko kufate parce que mutu bo abimi et abimi député et non nous devons être très prudents au lieu ba candidat président des bases à la soupçonner, c'est la majorité à ma députée. Je voulais aussi préciser pour ceux qui se divisent par rapport à ma candidate au clivage politique, il faut noter que quand on dit Congo est un et indivisible, et la Congo, d'abord, c'est les Congolais au bas salaire qui Congo comme un État. Donc nous sommes obligés, censés être unis malgré tout. Unis dans les bons, pas dans les bien sûr, non. Quand on est déjà unis, c'est qu'il y a la force. Quand quelqu'un vient avec les bêtises, on ne peut pas les. Quand on est unis, donc c'est qu'on accepte la personne malgré. Il faut voir l'intérêt suprême. Malgré. Quand quelqu'un vient pour son propre intérêt, pour qu'il y ait né à la élu, à sa émoliment, là non. Au-delà de tout, nous devons montrer le chemin. On doit voir le bien-être du peuple congolais. Malgré les divergences. Il n'est pas derrière un Congolais qui vient pour son intérêt, non. Tout le monde a un défi pour attendre le nouveau président aussitôt élu. En tout cas, la main sur le cœur, en tant que femme, la douleur de mes soeurs de l'Est, et ça l'a parfois ici, ça l'a appétit à Colia. Je suis très touchée de l'insécurité où ils sont à l'Est. Ils ont un garçon, moi, ils ont dit, madame, c'est parce que vous vivez à Kinshasa, vous avez un élu. Na est tant ba beti to eza maman msusu a uti bilanga a okanza bana tika kinanda a koma a komi na village ti a yokuta ba égorger village mon maman sacre salim. Pensez à cette femme là le président qui sera élu il sera aussi né, il est né d'une femme douleur wana akanza o maman na monaki pour que ya botama akanza ba maman o bazana est. Deuxième défi eza na benga ngo arme moko a destruction massive hein. Kouluna, na kati sur criminalité urbaine. Si na province, le phénomène Kouluna, c'est une arme à destruction massive na kati ambo karabiso. Tu peux bien bon avoir un bon travail, ozozo nganda ko ozamuka bien mais ceux qui ba Kouluna na ba bimelio, tout s'arrête pour toi. Et puis un genre de l'éducation difficile qui détruit la jeunesse tant soit peu. Le phénomène Kouluna, moi je pense que ceux qui m'ont bien éduqué dans la famille, l'État doit prendre ses responsabilités. Nous devons avoir un président de la République qui saura mettre fin à la phénomène Kouluna. Atia ba structure partout pour que le phénomène Kouluna est si là. Troisième point, c'est l'éducation. Comme Kakolandela, éducation, la réforme, et ça les mimi. C'est vrai, il y a la gratuité. Nous applaudissons pour les présidents sortants à instaurer qui est locaux. Mais que ça, la structure, ça, la suivi. Il y a éducation. Pour ça, tu as battu. Oh, batangi malam, et vous avez bien. Quatrième défi, c'est la santé. Aujourd'hui,
soin, accès à soins de santé, c'est vrai avec la gratuité de la maternité, mais Tolingi est comme un peu élargi. Sur la cinquième, sur les alliés, sur les actes ou sur la quatrième. Cinquième, sur les alliés, non, au Baki, ça y est, à Polia. Donc, c'est social, on va te manger. Surtout ça. Parce qu'il y a un loup, merci beaucoup. Le Congolais, à comment la mesure, il y a pour ça, là, et ça. J'ai eu mal au cœur, tant mon ami, candidat, mon sous au commis, malé au filet. Je me suis dit, quand on doit blaguer avec la population jusqu'à ce niveau. On tient malé au filet parce que tu sais que Batouana va en Anzala. Pourquoi nous tient au micro? Parce qu'ils n'en trouvent pas chez eux. On tient au Pobaya pour voter, au commun, aux oies, et Molima et Makasi. En tout cas, messieurs les présidents, ou à Koleka, à Kanisela, Kolia. Les priorités majeures. Oui. Merci beaucoup. Fifi Kalumbu, la priorité n'a pas attendre la population, et la présidente, aussitôt élue. Les nouveaux, bien sûr. Je pense que, avant à Koloba, par rapport à la cité Nengema, aux Ozé, la cité Wana, à Koloba, le défi qui attend ces présidents-là qui sera élu, c'est d'abord l'amour de la patrie. Et puis, si au Soko Lingara Moutou, tout Lingara, l'Okoana, et Tango, Nandenge, ya ou Lingwana. Madame Rita cité Kaya, ya Est. Je parle de l'amour de la patrie, non pas seulement pour le président qui sera élu, mais aussi pour celui qui ne sera pas élu, ou encore, oh, nous sommes la possibilité. Je parle de l'amour de la patrie parce que c'est l'intérêt général de tous. Et ça, Babylon, on vous souffre, faut donc avoir un pays, un image, un pays développé, où l'opposition a yé, ce n'est que 5 ans après la démocratie. De notre pays. J'ai suivi pendant la campagne, par exemple, le président, le candidat président numéro 3, Moïse Katoum, qui disait qu'une fois élu, je vais terminer la guerre dans 3 ans, 6 mois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, je me dis, en tout le monde, président élu ou non élu, il faut qu'on ait cet amour de la patrie, qu'on enlève cette politique-là de haine, cette politique-là de critique. Parce qu'il s'agit de la nation. Elle a dit en tant que femme, les gens meurent à l'Est, ça fait mal. Ce sont des personnes, de pères de famille, de femmes. Qui n'ont rien demandé à Dieu pour rester ou encore être congolais. Voilà pourquoi je retourne toujours sur l'amour de la patrie. Même si c'est lui qui n'est pas élu. Hein, parce que l'amour de la patrie, c'est-à-dire le développement de notre République démocratique du Congo. Peut-être que même après, tu seras encore élu. Et puis on ne peut pas seulement servir le pays à l'État président de la République. C'est ça. Sans qu'il y ait pour participer à ta malade. C'est aussi une solution, même si tu ne venais pas. Parce qu'on a encore pour moi, nous n'avons pas de moi, Anthony. Paradigme, les autres, c'est exemple à Congo. Les candidats, les Congo et Tinda. Que tout le monde puisse aimer le pays, que tout le monde puisse aimer la République démocratique du Congo. C'est notre pays. Et à la élection, et à la challenge, on débat ça qui va ouvrir la question. Simbite, c'est pas un problème. Tout ça, la capsule, ça a mandat à 5 ans. Après l'élection, peut-être que vous êtes plus fort, parce que tu as déjà un nom, Les défis, pour ils allaient relever, ils allaient nuancer au salam, il faut moutonner son nom à pour moi. Le président qui va arriver, tout lui attend. Tout ce qu'il va faire là, ceux qui t'ont accompagné, t'es même ceux dans la Libanda, tous dans la Kati, c'est que tu as c'est déjà presque la fin, Alain Goma droit. 2 minutes, plus rapidement s'il vous plaît. Et le même défi, les préoccupations de la population. Et c'est que la population doit attendre aussitôt que le président sera élu. Vous savez, tu as déjà un cycle, mon gros, pas si l'équipe. Et on dirait, Moussapéza, il y a beaucoup de choses. Il faut avoir un fixateur. Donc, tu as une anesthésie. Et bien, anesthésie aussi, là, il y aura pas si. Nous sommes dans une logique où nous souffrons. Le prochain président a une recommandation de balayer à Osengaï. Avant, on a côté à Osenga santé, sociale. J'ai 2 recommandations. La première, premier ministre, il faut avoir moi aussi.
ministre de la Défense. Alouka, le plus haut gradé, il y avait l'officier supérieur, mais que ce soit une dame. Premier ministre, moi, une femme. Ministre de la Défense, paye-moi la moitié. Ministre de la Défense, Fazala, le plus haut gradé, il y a l'officier supérieur, mais il y a moi aussi. Ça va changer quoi? Ça va changer un truc. Vous savez, les femmes ont une ferme conviction. Ce qui s'est à Kanye, là, on a monté ma plus longue, il y a la passe. Dans le quartier, il y a mon sœur, mon père vivant, il y a mon beau coopérant, mais le job n'a pas eu un car. Mais ça, mon gars, mon bel n'a rien eu en toi à venir. Et lobby et Simba. Les hommes, pour l'argent, nous sommes prêts à tout. Et heureusement, les changer, tous les scandales politiques que nous avons connus, il y a des détournements, des millions, des millions, des millions. S'il y en a 10, tant qu'il y en a 3, il y a des. Non, donc il n'y a pas femme dedans. T'es. Bah, ça t'es. C'est-à-dire, à quoi il y a? Parce que, Kouba Sadilanga, Kouba Dilanga. On comprend? À quoi il y a? Mais à quoi il y a la logique, il y a rétro-commission. Les hommes sont dans la logique, il y a la Kosangana. Déjà, avec la logique autosan, il y a un accord politique. Qu'on vous mette un premier ministre, il y a un parti politique, Songoloton Pakala. Il y a un conseil des ministres. Ah ouais, ceux qui sont bini, n'a pas quoi bini, il y a un conseil des ministres, il y a un parti. Il y a comme qu'on vole à deux, on a volé à deux courants. C'est-à-dire que tout à l'heure respecter l'autorité morale pour y mettre comme ça, mais que tout pas autant la poste n'aille. Nous en avons vécu dans la législature. Merci beaucoup. Pour autorité morale à l'obibolo, moi, Bolo. C'est la fin. Monsieur Bandimaki, pour autant la fin, tu me dis quoi, ma yabana. Yango, Bachira Bisso, deux postes de Wana. Bapé, ça en bas en basse. Tomé Ganon Rotala. Ça fait combien d'années oh, c'est différent. Que les hommes ont géré la primature de la République démocratique du Congo, tout soit changement. Pourquoi une femme n'a pas chuté Wana? Maman est barapri à l'eau son awenzi. Maman est barapri à mon ananzala. Maman, il y a des gens qui lié ma tonité. Maman, il y a des gens qui sont nourrissants. Il y a des gens qui sont là pour se libérer. Il y a des gens qui sont là pour se pamper. C'est ton nid dans l'urine. Il faut pas le faire. Connaissez une femme dans le poste de premier ministre. Connaissez une femme dans le poste de ministère de la Défense. Nous tous, comme nous avons dit dans le gouvernement, les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Oui, les hommes, nous avons travaillé, nous avons amené ce pays où Kakabis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? En Centrafrique, quand ils ont eu à élire une présidente, une dame comme présidente de la République, c'est parce qu'ils s'étaient dit quoi? On en a marre avec les hommes. C'est déjà la fin. Merci. Elle a fait sa part. Pourquoi pas la République démocratique? Je vous dis merci, je répète. Mettez en ma politicien, logique, il y a votre temps, ça caca à l'autorité morale. Beaucoup. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Sur la terre, ne faites pas l'autrui, c'est que vous n'aimerez pas qu'on puisse vous faire un retour. C'était FM Débat aujourd'hui et nous clôturons cette émission aujourd'hui avec une grande joie, madame, messieurs. Nous allons attendre ce que l'avenir va nous dire et restez bien chez vous. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Bonheur chez vous. Au revoir.